Salut YouTube, on se retrouve pour une vidéo assez rapide parce que sincèrement en ce moment il n'y a pas énormément de choses à dire sur Star Citizen à part l'arrivée effectivement de l'Intergalactique Aerospace Expo. Seulement, à part ça, on sait un peu le néant. En ce moment je suis sur le PTU, il n'y a pas grand chose, on attend puisqu'il y a effectivement uniquement l'expo sur le PTU à tester. On attend bien évidemment l'arrivée du Star Runner. Donc je voulais vous faire une petite vidéo rapide sur l'expo parce qu'il y a le programme qui est tombé. Encourager effectivement les nouveaux venus à tester le free fly parce qu'il y aura un free fly bien évidemment. Et je voulais un peu vous parler aussi de mon changement de config. Donc là, forcément, vous n'allez pas le voir dans la vidéo. Mais j'ai changé d'écran. J'ai un écran beaucoup plus grand. Donc dorénavant, je joue à Star Citizen en ce qu'on appelle en. Bah, moi, je joue à l'heure actuelle. Hein, la définition, pour vous la donner exactement, je joue en 1440p. Donc ça me permet effectivement d'avoir ce qu'on appelle le 2K entre guillemets, je ne vais pas parler de 4K, 2K, mais voilà. Et surtout, c'est un écran qui me change la vie parce que j'ai une meilleure effectivement qualité définition, j'ai effectivement le FreeSync avec AMD qui fait que c'est quand même beaucoup plus propre. Donc suite à ça, j'ai quand même effectivement une grosse envie de changer ma carte graphique. Je vais attendre la sortie des 6800 et je vais essayer certainement craqué pour une 6800 de chez AMD. À l'heure actuelle, vous le savez, je suis avec une 590, ça tourne plutôt pas mal, mais j'ai envie d'améliorer effectivement mon confort de jeu sur Star Citizen. Alors, je vous tiendrai au courant des performances, je vous ferai une vidéo sur les performances avec le nouveau setup qui devra arriver, je l'espère, dans le mois qui vient, sinon vers Noël, on verra effectivement après les réa pro et ce que ça donne. Pour le programme de cette expo, alors comme vous avez pu le constater pour ceux qui sont déjà allés sur le site, c'est une dinguerie. Hein. On va avoir quand même plus de 100 vaisseaux à essayer, donc c'est plutôt cool. On a effectivement toujours le même principe, tous les 2 jours, plusieurs marques ou une seule marque de vaisseau, ça dépend effectivement de la taille de la flotte de cette marque. Donc là, les premiers jours, on va avoir effectivement, comme d'habitude, généralement les marques qui pèsent le moins, mais il y a quand même des vaisseaux sympas. On a Aegis derrière, on a effectivement une ville, etc. Je ne vais pas tous vous les énumérer, vous les avez là. Hein. C'est une vidéo rapide, juste pour vous tenir au courant un peu de ce qui se passe. Et surtout, vous tenir au courant voilà, sur ce que je vais vous faire par la suite comme vidéo, parce que je vous ferai des vidéos, effectivement, bien évidemment, pendant l'expo. Je vous ferai des vidéos du Star Runner dès que je l'ai. Je vous ferai des vidéos, comme je vous l'ai dit, dès que j'ai ma nouvelle carte graphique, pour vous dire un peu ce que ça donne, s'il y a vraiment une amélioration, sachant qu'aujourd'hui, je suis avec la 590. Qu'en passant en 2K, j'ai pas vu une énorme chute de FPS. Et ça, c'est plutôt cool, ça m'a surpris. J'ai vraiment une amélioration de la qualité graphique et sans chute de FPS. Alors c'est là où on se rend compte que le jeu est effectivement pas du tout opti, parce que logiquement j'aurais dû avoir si. Voilà, vu qu'on n'est pas déjà avec des FPS de dingue avec cette carte graphique, j'aurais dû avoir une grosse chute, c'est pas le cas. Je vous donne déjà donc rendez-vous à la sortie du Star Runner, puis un second rendez-vous le 20 novembre, bien évidemment, pour le lancement de cette expo. Je ferai des vidéos aussi pour encourager les nouveaux joueurs à venir nous rejoindre, tester le jeu avec effectivement le Free Fly, parce que ça c'est franchement super cool, surtout à cette période où vous allez pouvoir tester plein de vaisseaux. Et surtout, je vous ferai des vidéos conseils sur les achats, les choses intéressantes à faire, les upgrades intéressantes à faire, parce que souvent vous allez avoir des promos sur certains vaisseaux. Des promos sur certaines upgrades et ça vaut vraiment le coup de pas passer à côté. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Salut tout le monde!